donc je me présente, Fabienne, conseillère indépendante en immobilier chez Safety. J'avais envie de faire des vidéos car je suis un petit peu adepte de la vidéo dans d'autres domaines et j'avais envie de vous présenter mes biens un petit peu par vidéo afin de leur donner un petit peu plus de vie et de vous puissiez un petit peu mieux. Après, je vous invite vivement à venir voir en réalité car rien ne remplacera bien sûr la visite réelle. Donc voilà, vous pouvez constater un petit peu le jardin de cette maison que je vais vous présenter. Donc c'est une maison qui vous offre 190 mètres carrés d'habitation. Vous allez voir qui est très très fonctionnelle, très agréable et très bien équipée. Donc voilà, elle a un très joli jardin aussi. Donc le terrain, il y a un terrain de 9000 m2, hein. Donc il y a à peu près 4000 m2 autour de la maison en jardin paysager qui est super joli et super agréable. Enfin moi j'adore. Donc voilà, hein. Je vous laisse un petit peu découvrir. Donc ce petit jardin effectivement actuellement a besoin d'une petite tonte car les personnes sont actuellement en vacances. Mais bon, ça ce n'est pas grand chose. Allez, on va aller à l'intérieur pour découvrir l'intérieur. Donc comme je disais, c'est un terrain qui est composé de 9000 m2, donc à peu près 4000 m2 sur le tour de la maison, plus à l'arrière, encore à peu près 5000 m2 de près, clôturé, avec une cabane donc qui peut être pour un cheval, qui est vraiment génial, avec une cabane où le cheval peut être abrité et aussi pour ranger le foin. Donc voilà. Alors nous sommes rentrés, donc là nous arrivons dans le hall d'entrée, qui donne sur un escalier qui montera ensuite en haut, je vous ferai découvrir. Là, il y a une porte qui donne sur la cuisine. Et surtout, il y a un très très beau séjour qu'on va aller voir. Donc, voici le séjour. Qui est vraiment une pièce super agréable, très lumineuse, équipée d'une très jolie cheminée. Donc, il y a des grandes baies vitrées. Et la particularité de ce séjour, et ben en fait c'est son plafond, comme vous pouvez le découvrir, qui est très haut et qui donne sur une mezzanine, et du coup ça lui donne vraiment un espace, de la clarté, enfin c'est vraiment super agréable quoi. Donc ça c'est à visiter en réel pour vraiment se rendre compte. Donc le séjour donne sur la cuisine comme vous pouvez constater derrière. Je voulais vous montrer quand même les baies vitrées qui s'ouvraient et qui donnent là sur une superbe, agréable terrasse, comme on peut le constater derrière, avec un petit coin super génial aussi, à l'ombre, tranquille, pour passer des petits moments de détente. Voilà un petit peu le panorama de l'autre côté du jardin, quoi. Voilà, ensuite, je ne vais pas tout vous montrer en vidéo, déjà ça serait trop long, hein. Alors, nous allons passer à la cuisine. Donc voilà, il y a une cuisine qui est très sympathique. On va dire un petit peu à finir quand même d'équiper, mais qui est déjà très sympathique. Et du fait qu'elle donne sur le séjour, c'est très très agréable. Elle a une porte donc qui donne, si je vous ai dit, cette maison est très fonctionnelle. Donc qui donne sur le hall d'entrée. Et tout de suite, on arrive sur le grand couloir qui est derrière moi, hein, qui va donner aux pièces, aux chambres. Donc il y a un premier toilette qui se trouve ici, hein, tout de suite vers le séjour, donc très fonctionnel s'il y a des gens, ils ne sont pas obligés de traverser tout le couloir. Ensuite, nous avons une première pièce de ce côté, hein, qui est actuellement un bureau, mais qui peut très très bien être une chambre. Donc avec baie vitrée, hein, chaque fois, porte-fenêtre, hein. Donc voilà quoi. Ensuite, nous allons continuer le couloir en direction. Là, cette fois, on est vraiment dans la longueur du couloir, hein, qui donne sur les chambres. Donc avant d'arriver aux chambres, il y a une première salle de bain très agréable, avec douche AG, une douche à l'italienne en plus, une vasque super agréable, hein, moderne, comme ça se fait aujourd'hui, petit coin, voilà. Et ce qui est vraiment la particularité, qui est vraiment agréable ici, c'est que chaque pièce
à une porte quasiment et qui donne sur l'extérieur. Donc là, ça donne sur la terrasse où on était tout à l'heure. Donc c'est vraiment sympa quoi, de pouvoir ouvrir sa salle de bain, sortir. Enfin, moi je trouve ça très agréable quoi. Ensuite, nous allons continuer. Donc nous arrivons à une première chambre qui est ici avec placard. Voilà, chaque fois vue sur le jardin, très très agréable. Donc voilà, avec une baie vitrée. Nous allons continuer pour aller. On va tout faire déjà un côté et on reviendra par l'autre côté. Donc une deuxième chambre, baie vitrée, vue sur le jardin, penderie. Voilà. Maintenant en face, il y a une chambre parentale. Donc baie vitrée, très lumineuse. Là, là le soleil ce matin. Donc là, on est le matin, très éclairé. Donc, chambre parentale, pourquoi? Parce que, bon, grande penderie, surtout dressing, que vous pouvez, voilà. Et en plus, sa salle de bain privée, avec sa baignoire à remous, et sa jolie vasque. Donc, avec une fenêtre et tout, et tout, et tout. Donc, tout ça est vraiment super agréable. D'avoir sa petite salle de bain privée, c'est vraiment un luxe. Aujourd'hui, c'est bien, quoi. Ensuite, donc, il y a un deuxième toilette, plaque, voilà, que vous pouvez constater, enfin, voilà. Et voici la quatrième chambre, si on ne compte pas le bureau, hein. Voici la quatrième chambre, sinon ça peut faire cinq chambres, comme je l'ai décrit dans l'annonce, avec baie vitrée, toujours, vue sur le jardin, enfin, c'est, voilà, très agréable. Celle-ci n'a pas de placard mural. Ensuite, là, nous avons une penderie qui est à l'entrée, en fin de compte, du couloir, à côté du bureau. Donc, pareil, avec de grands placards pour le rangement, c'est génial. Une porte-fenêtre qui sort dehors, super pratique pour aller tendre le linge sans traverser toute la maison. Un adoucisseur d'eau, la maison est équipée d'un adoucisseur d'eau. Et la penderie, elle, donne sur le garage, qu'on va voir tout de suite. Donc, grand garage, qui est en ce moment un petit peu encombré, bien sûr. Mais voilà, grand garage avec une fenêtre. Voici la porte derrière. Et surtout, la particularité, vous allez voir, on montrera après. En fait, on peut faire un escalier qui donne directement là pour aller dans la pièce en haut que je vais vous montrer de suite en allant sur la mezzanine. Donc, ça peut faire une entrée indépendante. En passant par le garage, là on peut faire une entrée indépendante et aménagée. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Alors, on y va. Suivez-moi. Dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà. Donc là, on va monter et se faire retourner dans le hall d'entrée où il y a l'escalier qui mène à la mezzanine. Donc voilà, il y a une super vue hein, quand on commence à monter l'escalier. Hein. Donc la vue sur le salon, la cuisine, enfin le hall est vraiment très sympathique quoi. Donc voilà, on monte. Donc il y a de grands Velux. Alors cette maison ne manque pas de lumière, ça je vous le garantis. Et c'est vraiment agréable parce qu'on a vraiment besoin de la lumière pour se ressourcer quoi. Donc voici la mezzanine avec ses deux Velux qui est belle et agréable. Et donc, qui donne sur le fameux salon hein, qui est en dessous. Voilà. Vous pouvez voir. Tac. Tout ça est vraiment sympa. Voilà ce que ça donne un petit peu en vidéo. Après, vraiment, une visite réelle ne remplacera jamais une vidéo. Ensuite, donc, il y a cette porte. Là, qui est normalement fermée. Quand on arrive en haut de l'escalier, il y a une porte sur la droite de la mezzanine. Et là, c'est le bonus. Le bonus. Regardez-moi ça. Les possibilités. 110 mètres carrés de comble aménageable de façon très facile. Donc, il y a la charpente. Ça a été fait une charpente bateau. Donc, qui peut être vraiment laissée apparente quand il suffit de mettre du placo, enfin voilà, aménageable facilement, avec déjà équipé d'un Velux. On peut vraiment faire soit carrément un autre appartement, si vous avez des grands enfants ou
la famille, enfin quelqu'un. Comme je vous disais, qui peut donner à faire une entrée indépendante qui donne sur le garage. Carrément, on peut faire un deuxième appartement ou bien après salle de billard, home cinéma, salle de jeu, salle de muscu. Enfin, après, c'est à vous de voir. Donc voilà, quand on donne, ça donne sur le garage, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voilà, la visite est maintenant terminée. En gros, hein, bien sûr, je vous ai montré vraiment le gros. Après, il faut regarder et visiter tout ça dans le détail, effectivement. Hein. Mais voilà, donc je vous invite vraiment, si vous avez le budget qui correspond à ce genre d'achat, à venir, à me contacter et à venir visiter en réel. Après, si vous avez un cheval, et ben franchement, c'est la maison parfaite, dans le sens où vous pourrez avoir votre cheval auprès de vous. Et ça, moi, je sais ce que c'est, car j'ai des chevaux. Et on ne trouve pas tous les jours une maison où on peut mettre son cheval avec un petit abri, et c'est génial. Donc voilà, je vous dis bye bye, à bientôt, et j'espère vous voir très prochainement sur une visite réelle. Bye bye!